Pour savoir combien vaut un terrain à bâtir, vous allez simplement commencer par définir ce que vous pouvez construire dessus. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si vous pouvez rien construire, votre terrain vaut plus ou moins 0 francs par mètre carré. Allez, maximum 5 francs parce que vous pouvez mettre des animaux dessus. Maintenant, si vous pouvez faire un bâtiment, ce que vous allez définir, c'est combien est-ce qu'il va coûter à la construction et combien est-ce que vous allez pouvoir le vendre. Donc ça, c'est la construction et ça, c'est la vente. Ensuite, vous allez simplement prendre la vente moins la construction et ça vous donnera le résultat final de la valeur du terrain maximum que vous pouvez acheter. Alors attention, parce que dans la construction, vous avez plusieurs frais différents qu'il ne faut pas oublier. Ces frais, ils sont divisés en plusieurs éléments qu'on appelle des CFC, c'est les codes de frais de construction. Vous avez principalement le CFC 2, CFC 4 et le CFC 5. Le CFC 2, c'est simplement combien de mètres cubes fera votre bâtiment, et ensuite vous avez un coût de construction pour construire ces mètres cubes, donc construire le bâtiment. Le CFC 4, c'est les aménagements extérieurs. Et le CFC 5, c'est tous les frais secondaires, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les coûts lié à la construction. C'est par exemple toutes les taxes d'autorisation de construire, etc. Et la totalité de tous ces frais donnera en fait le coût total de votre construction.